Allez, bonjour à toutes et à tous, et c'est Landron pour le troisième épisode de ma toute nouvelle série Soulcraft The World. Allez, on est reparti. Donc, la dernière fois, je vous avais laissé... On venait d'avoir notre nouveau nain, numéro 6. D'ailleurs, il y avait bientôt une nouvelle vague de monstres qui allait, arriver. Donc on a notre sixième nain. Alors, s'appelle comment? Donc on a Maki, Gaius, Tarquin, Melkor, Lune et Max. Bah, c'est nickel ça. Donc toi t'es un miller, on a un archer, swordman, carpenter, un deuxième miller et un cuisinier. D'accord. Ouais, donc on n'a pas encore de personnages qui correspondent au bouquin. Donc, ce que je voulais faire... Alors, vous finissez d'équiper tout ce bordel là. Alors je sais pas ce que tu viens chercher. Ah, toi tu viens chercher tout ce qu'il y a là. Ah, pourquoi pas, ça peut être très utile. T'as raison, c'est une bonne idée. Voilà, par contre, il y a énormément de ressources, faudrait qu'on aille les chercher. On va virer tout ça. Voilà, ça sera de la sat de fait. Je vais mettre un portail ici, ça ira mieux. Voilà. Alors, ouais, vous énervez pas les gars. Et par contre, ça craint un peu au niveau de leur PV. Il va falloir vraiment que je m'occupe de ça. Il va falloir que je m'occupe de ça. Donc, du coup, il faut qu'on se concentre sur les Basic Ironworks. Donc, il fallait que je fasse... Bon, on va faire ça. Hein. Ça y est. Basic Ironworks, c'est fait. Du coup, Basic Constructing. Et il faut complete shelter. Donc en fait, il faut faire une maison. Et pour ça, il faut qu'on finisse la... faut qu'on fasse des toits, des murs, tout ça. Et ça va nous coûter énormément en bois. Je le sais par expérience. Ouais, bah du coup, j'ai fait directement le truc. Alors 42, ouais, c'est plutôt pas mal. Mais ça va pas suffire du tout. Vous verrez. On va commencer par faire le mur. Toi par contre, faut que tu vires. Toi aussi, faut que tu vires. Il faut de la place. Ouais. J'ai fait un peu l'abruti, il faudra que tu vires ça. Voilà. Pareil, on va mettre des murs ici, on va mettre des murs jusque là. Ça sera bien. Ça nous fera une grosse maison. On va mettre un nouveau lit aussi. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ça c'est plutôt pas mal. Ah oui, j'ai pas pensé à un truc. Pour enlever ça, j'ai pas pensé à un truc. Il faut que je fasse des portes, des portes. Wooden door. Ah voilà, il faut deux locks. Ouais, bon, on en a assez. Du wood et hop, deux portes. Une porte ici et une porte là dès que ça sera fini. Voilà, nickel. Par contre, tu pourrais pas le tourner. Je sais pas pourquoi. Non, vire ça. Je sais pas pourquoi il y a impossibilité de tourner. Alors, j'aimerais aussi que vous me récupériez un petit peu de bois. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de bois et pas beaucoup de gobelins? Parce que là, il y a un camp de gobelins qui s'est installé. Ouais, je suis under attack. Ouais, d'accord. C'est juste une petite merdouille là. Ça devrait aller. Donc il y en a qui mine, il y en a qui coupe du bois, c'est bien. Pour une fois, vous faites bien votre travail, c'est déjà pas mal. Alors, je vais me mettre à un endroit stratégique. Je vais juste couper ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, bah, pas grave, vous avez buté ce... Allez, hop. Vous allez l'avoir facilement, quand même. Un petit facochère. Petit facochère. Voilà, ça y est. Donc vous pétez tout ça, vous pétez l'arbre et normalement il y aurait... Je devrais avoir assez.
Alors je pourrais venir le détruire, mais je crois que je suis pas assez équipé, donc on va laisser tranquillou. Voilà, donc là une fois qu'on a notre premier mur, on va pouvoir continuer sur le niveau 2. Ouais, je sais que t'es pas content. On va pouvoir continuer. Je suis under attaque. Ou un petit fantôme. Ça veut dire que c'est pas assez éclairé. Poser des torches. Là, il y a un cristal, ça peut être utile. Pas l'air d'avoir de grotte dans le coin. Ah si, 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 si. Ah, je suis trop loin. Oh, un bouquin. Carpenter. Excusez-moi, ça fait un peu de bruit. Il y a mon téléphone qui a sonné. Carpenter. Oui, on a un Carpenter. Bayouz. Voilà, donc là, on a augmenté sa capacité de charpenterie. Et comme pour l'instant, on n'est pas non plus hyper évolué parce qu'on n'a pas encore fait des l'Advanced Ironworks, tout ça. Et Advanced Timberworks. Ah si, on peut le faire. Faire un smithy. Ah, on peut faire plein de trucs. Alors là, on commence à débloquer des trucs bien sympathiques. Mais qui vont nécessiter pas mal de place. Du coup, je vais faire un... Non, pas ici. Je vais faire une zone... Une zone pour faire des trucs. Ici. Voilà, par contre, là, il pleut chez moi. C'est pas génial. Voilà, donc là, ils mettent un petit peu tout ce tintouin. Là, je vais remettre un autre mur qui va mettre un mur ici, en fait. Si je mets un deuxième mur par-dessus, ça met un mur au-dessus. Alors, on va virer... On va remove le lit. Parce qu'en fait, j'ai pas pensé à un truc, c'est qu'il faut des échelles à certains endroits pour qu'ils puissent monter au niveau au-dessus, quoi. Ouais, toi, t'as pas de chemin, ouais. Si tu pouvais juste creuser là, ça serait cool. Ah, et puis il faut que j'équipe les petits nouveaux. Attends, il y a un problème. Alors, remove le bed of leaves et on va lui demander... Ok, d'accord. Là, ça va pas. Va falloir que je lui mette des échelles ensuite. Hop, un lit. Il en faut des trucs, hein. Il en faut... Oh, une pièce. Wow, là, il y a un bug, là, derrière. Normalement, la texture devrait pas être aussi découpée. I am under attack. Oh, par contre, toi, tu me fais super peur, toi. T'as presque plus de vie. Tu fais vraiment très peur. On va mettre un petit peu de lumière. Alors toi t'es super fort, je suppose que t'étais au beau milieu et t'as trouvé ça plus rapide de revenir en arrière. Bon, pourquoi pas. Ah, ils vont me rendre chèvre. Ils vont vraiment me rendre chèvre. Je crois qu'il y a des bugs parce que la texture devrait pas être aussi découpée quand même. Ouais, low health. Tu me fais vraiment peur toi, avoir aussi peu de vie. Ok. Vite. Vite, vite, vite là. Je veux que vous soyez tous là parce que là, ils deviennent de plus en plus nombreux. Allez, viens. Voilà. Ça y est. Par contre, toi, t'as vraiment plus du tout de vie. Faut que je vous équipe. Faut que je vous équipe impérativement, mais pour ça, il faut vraiment que je finisse la maison, quoi. On va se concentrer sur la maison. Essentiellement, parce que sinon, ça va pas du tout aller. Oh, t'as plus de vie, toi. Ouais, je sais, t'es en train de mourir de faim, ouais. Enfin, t'es pas en train de mourir de faim, vous pouvez pas mourir de faim, mais vous êtes beaucoup moins productif. Du coup...
J'ai une question, tiens. Ah, je vais faire des luck bridge. Zut. Ah non, il n'y a pas d'équipement supplémentaire. Ah oui, il faudrait peut-être que je les équipe aussi. J'avais complètement zappé. Rope, il faut de la laine. Il n'y a pas des moutons? J'ai souvenir d'avoir vu des moutons quelque part. Ah tiens, faudrait que je fasse un portail ici pour venir récolter. En faire un ici aussi. Tuer le mouton. Normalement, ça devrait donner de la laine. Et avec cette laine, on pourra faire des cordes. Et avec ces cordes, je pourrais. Attends, t'es bloqué. Génial. Avec ces cordes, je pourrais. Ah zut. Ah, j'ai perdu mon mot. Je pourrais faire des plaques. Des plaques de bois. Tiens, ça aussi, on va le faire. On est combien? On est 6. Pour moins que je les équipe un peu, quoi. Tinker's Hat. Ok, d'accord. C'est juste le truc. Normalement, on a un peu de défense. Ouais, c'est 2 de défense. Waouh. Mais c'est mieux que rien. Ah, Simple Hat, c'est combien? D'accord, ça donne rien du tout. Emacs. Voilà, ça y est, vous êtes tous ultra moches. Mais au moins vous pouvez vous défendre. Alors c'est pas ça que je voulais chercher, c'était là, les log bridge. Ouais, hop, on enlève les portes. Non, zut, c'est pas là. Est-ce que c'est là? Ouais, là on peut les mettre. Nickel. Alors pourquoi il y a des feuilles qui ont poussé ici? N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc ils sont 6. Je peux mettre 3 lits. Je peux mettre 3 lits. Est-ce que je peux pas en mettre plus là-haut? Il suffit que je continue les... Hop. Ah, je devrais pouvoir. Je vais pouvoir en mettre plus là-haut. Vu que je peux les mettre sur les log bridge, tout simplement. D'accord. Ouais. Vraiment que certains d'entre eux dorment. Hop. Non, on peut en mettre qu'un ici, un ici. Et là, on pourra en mettre qu'un. Ouais, non, on peut en mettre que 6. Bon, bah du coup, je pense que ce qu'on va faire, on va essayer de finir un peu le pourtour de la maison. Ici, on va mettre un toit, histoire d'être débarrassé. Là, je vais mettre une... On peut pas mettre de lampe? Bon, on va mettre une lampe ici. Je pensais qu'on aurait pu... Bah on peut en mettre une ici aussi. Faut que je fasse un dernier lit d'ailleurs. Faut que je fasse un dernier lit. 2 feuilles. Oh, j'ai plus de bois aussi. Oh là là. Alors, est-ce que tu m'as pris de la laine? Ouais, je pense que tu m'as pris de la laine. Là aussi. Alors, j'aimerais bien que vous rameniez les trucs avant que les portails se finissent. Ce serait génial. Ah si, je pense que vous avez ramené là ici. On va voir ça tout de suite, hein. De la laine, nickel. Hop, 5 cordes. 5 cordes. Non, pas un backpack. Ça pourrait être utile. Ça permet de ramener plus d'objets. En même temps, j'ai besoin d'abord de les équiper en armure, quoi. J'ai besoin de d'abord les équiper en armure. Je trouve de la chitine. Chitine ou chitine? Je sais pas comment on dit exactement. Quelle est la prononciation? Alors, 18 de bois. Ah oui, mais non. Il faut pas que je commence par ça. Ok, donc j'ai fait une armure. Bon. Je vais l'équiper à mon Swordman, hein. En priorité, voilà. Donc l'armure est à 4 de défense, c'est plutôt pas mal. Ouais.
Là, du coup, j'ai un problème. Évidemment, il y a le totem qui m'embête. Voilà, donc là, normalement, si tu poses le... Si tu poses l'échelle, tu pourras passer de l'autre côté. Là, tu poses ton bloc. Il faut ensuite que je pose des toits de feuilles. Voilà, 12, c'est possible que ça suffise. On va voir. Bon, j'ai plus d'échelle, hein. Je crois pas, mais... Ah, si, c'est possible. Hey, nickel. Non, non, mais pose-moi les blocs, là. Je veux que tu me poses tout ça, histoire que vous ayez chacun un lit. Et ensuite, je me préparerai à faire un nouvel étage. Et pour ça, il me refaudra du bois, quoi. Il me refaudra un paquet de bois. Alors là, ça va bien. Oui. Oh là 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 là. Il faut surtout pas que ça ouvre ici. Parce que là, c'est la mort assurée. Alors, il n'y a plus de portail. C'est le portail pour où? Pour là-bas. I am under attack. What? Merde. Tu vas crever, toi. Non mais, viens là. Rentre. Pff, tu m'as fait peur, toi. Évidemment, tu t'es paumé. Comment ça? Mais... Suffisait que tu rentres, hein. Faut vite que vous veniez l'aider parce que sinon ça va pas aller. Oh là 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 là, quel abruti, j'ai pas envie de perdre tous mes nains. Voilà. Vite. Rentrez. Non, vous rentrez, vous récupérez votre stuff et vous rentrez. Il faut vite que vous finissiez ce toit là, que vous puissiez tous dormir un peu là. Bouh, que c'est horrible. On peut imposer là? Il semblerait qu'on puisse réimposer. Oui, je sais pas où est ton lit, mais... Faut que vous finissiez la baraque, quoi. Quelle bande de nains. Allez, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout, normalement. Attends, tu ramènes tes trucs, c'est génial. Si tu pouvais éviter de te faire buter, ça serait aussi génial. Voilà. Ça, c'est bien. T'es pas fait tuer. Gentil. Bon, il en manque un, et une fois que ça sera fait, normalement, j'aurai plus de problème. Vous aurez chacun un lit. Mais... Mais comment t'as fait toi? Comment t'as fait? Tu m'expliques? Oh c'est monstrueux quoi. Tiens j'ai trouvé quelque chose. Goblin Spear. Damage 17. Et toi c'est damage 15. Bon bah pourquoi pas. Hein. Tiens voilà. T'as une nouvelle arme. Du coup. Smithy, de l'eau. Comment je fais pour récupérer l'eau? Ah oui c'est vrai qu'il me faut un seau. Il faut bucket. Bucket qui nécessite des planches. Planches qui nécessitent du bois. Ah bah. Ok, d'accord, il faut un workbench pour faire ça. Workbench qui nécessite de l'iron ore, du bois et une wooden table. Voilà, ça y est. Donc le workbench est là. Hop, on va le poser ici. Non, pas ici. D'accord, bon, on va virer la plante carnivore. On va le poser un petit peu après. Ça y est, j'ai complété la maison. Bon, voilà, ça c'est fait. Une fois qu'on a une maison, normalement ils ont leur lit. On pourra dormir. Ils sont contents. Mais si t'as un lit, vous êtes 6, suffisamment. Voilà, toi tu iras dormir aussi. Voilà, tu vas dormir et tu remontes tes PV là, parce que c'est vraiment, mais vraiment pas cool là. Donc là normalement ils remontent leur PV doucement. Le confort il est à combien? 52? Bon c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, il faut mettre le smithy. Ce que je pourrais faire. Ok, d'accord.
Il se fait attaquer. Ça fait 20 minutes, encore un petit peu là. Donc tu vires ça. Non, non, tu coupes. Histoire qu'on soit tranquille. Alors, ça y est, j'ai la nouvelle machine là. Ça va me permettre de débloquer certains crafts un petit peu plus compliqués. Ça sera bien pratique. Comme par exemple pour les planches, je vais vous montrer. Alors ça va être un petit peu différent, vous voyez. Je les ai mis en queue, on va dire. C'est-à-dire que là, il y a des trucs qui vont devoir, enfin, qui vont être faits. Il faut qu'ils prennent du bois et qu'ils l'amènent au machin pour créer des objets, tout simplement. Normalement, c'est le charpentier qui va s'en occuper. C'est du workbench, le travail du bois. Voilà, vous voyez, hop, il le fait plus rapidement s'il a une meilleure compétence. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à commenter. Et puis à la prochaine, salut à tous !